Salut à tous, c'est The Super Cartel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu en vitesse parce que comme vous le savez je viens de rentrer en première S. Enfin pour ceux qui le savent pas maintenant vous le savez. Et donc le rythme des vidéos va vraiment baisser cette année tout simplement parce qu'il y a beaucoup de travail tout ça. Il y a le bac de français à la fin de l'année. Jules Sneakers avait les mêmes raisons lors de son entrée en première. Donc j'espère que vous allez comprendre tout ça. Et voilà, donc là on fait cette vidéo tout simplement pour vous présenter les items suprêmes de la semaine 4. J'ai pas pu faire la semaine 3 parce que j'ai eu les prix très très tard. Et faire le montage, publier la miniature, tout ça à 23h pour rentrer le jeudi matin, c'était un petit peu compliqué, surtout que mon upload il est pas forcément très très bon. Donc j'ai pas pu vous faire cette vidéo, je suis vraiment désolé. Mais je vous ai quand même mis la liste des prix et des items sur mon Insta. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est The Supply Cartel. Voilà, donc allez follow si vous voulez voir des infos et tout, des petits trucs sympas, des lives de temps en temps. Donc voilà, on se retrouve dans le QG pour parler de cette collab. Donc on a une collab entre Supreme et Historic Glamour. Donc pour savoir qu'est-ce que c'est que Historic Glamour, je vous invite à aller regarder Camino TV, ils font souvent des minutes DLC sur les collaborations pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la collab. Donc on va commencer, je vais y aller en vitesse les gars, je vais vraiment pas trop perdre mon temps. Déjà je vais vous donner mon avis général sur cette collaboration parce qu'on me répète souvent que je donne pas assez mon avis. Donc maintenant je vous le donne assez clairement. On va commencer dans le cas général. Personnellement je n'aime pas vraiment cette collaboration avec les écritures un petit peu partout. Je vais rien cop je pense cette semaine personnellement parce que enfin franchement c'est pas une collab à laquelle j'accroche. Les mugs, les hoodies ça passe. Les crewnecks et tout, voilà, donc les ceintures, pareil. Il y a des trucs qui passent, mais le reste, j'aime pas trop. Donc je vais vraiment y aller en vitesse, passer rapidement les items. Je vous mettrai la liste des prix en description pour que vous puissiez aller à tête reposée, regarder item par item. Je vais rapidement passer dessus et je vais éviter de mettre l'overlay et tout. Comme je vous l'ai déjà dit, là je tourne la vidéo entre midi et 2 et c'est vraiment compliqué avec les cours. Donc on va commencer avec le premier item. Donc c'est une ceinture avec écrit « Fuck you ». Il y a un coloris en noir et un coloris en blanc avec l'écriture rouge et coloris noir avec l'écriture blanche. Donc ça me fait un peu penser aux ceintures de chez Off-White, vous savez, les ceintures usines, je crois elles s'appellent comme ça. Donc le prix de la ceinture il est de 48$. Donc là je vous donne les prix en dollars, mais dans la description il y aura un lien pour avoir les prix en euros. Donc ensuite la tête d'oreiller et enfin les têtes d'oreiller avec la housse de couette au prix de 398$. Après on a un... non c'est un sweater. Parce que je me fais souvent l'erreur entre crewneck, sweater, tout ça. Voilà, donc là on a un sweater à 158$ avec écrit fuck you et en 3 coloris. Ensuite on a des hoodies, Dynamite Hooded Sweatshirt, il s'appelle. Voilà, donc avec le petit logo Supreme. Bref, il y a écrit Hystérique ou Supreme avec, je suppose, le logo Hystérique Glamour. J'en ai aucune idée parce que je connais pas, donc voilà, je vais pas faire le connaisseur. Donc ça vaut 178$, donc un hoodie. Ensuite on a les mugs en céramique avec des petits dessins, des petites écritures partout, assez stylé je trouve, qui coûte 38$. Ensuite on a un, ça s'appelle un sweatshirt, oui voilà, donc c'est un sweatshirt avec un zip. Lui ça va, il est ouais, ça, assez sympa en noir ou en blanc, des coloris assez simples, au prix de 178$. Ensuite on a des football tees, donc ceux qui sont plus chers que les t-shirts de base comme les photo tees etc. Je crois que je vous en ai déjà parlé, donc eux ils valent 88$. Donc c'est des tees de football avec écrit la taille sur une étiquette en bas à gauche du coup. Ensuite on a une veste en faufure, donc c'est de la fourrure en gros, à 398$ avec écrit fuck you partout dans le dos, pareil le même pattern. Ensuite on a une parka, donc ça c'est pas mal, c'est sympa, en navy je crois c'est, au prix de 448$. Voilà, après on a une deuxième tournée de sweatshirt avec le logo sur, enfin le pattern des mugs, qui est assez sympa aussi en blanc avec les écritures en couleur, c'est assez stylé je trouve. Bon je le porterai pas perso mais c'est sympa quand même, à 178$. Ensuite on a un pocket tee long sleeve, donc un t-shirt à manches longues avec une petite poche juste ici et un logo Supreme à 88$. Ensuite on a une chemise avec Sacred Earth, ce serait des cœurs dessus, au prix de 138$. Ensuite on a une work shirt, donc une chemise de travail à 138$ avec le pattern des hoodies tout à l'heure. On a une work jacket, donc une veste encore. Avec le pattern du mug à 298$.
Ensuite, on a une petite tournée de bonnets à 36$. Voilà, donc après, ils ont décliné le pattern des mugs sur les pantalons. Donc des pantalons, enfin des pants à 158$. Pareil pour les bobs, donc deux coloris encore une fois à 54$. Là on a une tournée de casquettes à 40$, donc les 5 panels avec le logo des hoodies. Ensuite on a des bonnets avec écrit Supreme à 32$. Encore une tournée de casquettes à 48$. Une autre à 58$ avec une espèce de sangle, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, ça c'était la semaine 4 de chez Supreme en collaboration avec Hystérique Glamour. Dites-moi ce que vous allez cop dans les commentaires. Personnellement, je ne vais rien prendre. J'espère que je vous ai assez bien donné mon avis sur les items de cette collab. Si c'est pas encore le cas, dites-le moi en commentaire. Et je vous annonce du lourd, des vidéos qui vont dépendre, enfin des vidéos qui vont sortir un peu de l'univers de Supreme, parce que ma chaîne elle est en train de tourner dans un univers Supreme actuellement. Ce que je voulais pas forcément à la base, c'était plus des sneakers tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu la vidéo de facilité que je peux faire toutes les semaines en fait. Donc voilà. Sinon j'ai quand même 2-3 vidéos qui vont arriver dans pas longtemps, que j'ai déjà tourné et maintenant il me reste à faire le montage. Donc laissez-moi juste un petit peu de temps et je vais sortir ça, je pense, d'ici les prochaines semaines. Voilà, c'était The Supply Cartel et je vous dis ciao tout le monde. I made the team. So when you go from making a team, now what you gotta do, nigga? You gotta start. You gotta be a star. You gotta make it to college. You gotta make it from college to the league, nigga.